my check. Or pay me in equity. Pay me in equity. Watch me reverse out of dicks. He got a bad bitch, bad bitch. We live in lavish, lavish. I get expensive fabrics. I got expensive habits. He wanna go with me. He likes to roll away. He wanna be with me. He wanna give me that vitamin D. Ice ornaments. Ice style condiments. You ain't on of this. Don't think they own of this. But I'm a jet. Shut down Khalid. Give me the ball, give me the ball. Take a top shift. Call my girls and put them all on a spaceship. Hang one night with him, say I'll make you famous. Hey. Have you ever seen the stage going ape shit? Bonjour, merci d'être venu, d'être tous réunis ici. Nous présentons actuellement deux expositions, l'une sur la collection Courtauld et l'autre qui s'intitule Le Parti de la peinture, qui sont donc deux expositions en lien avec ce médium très particulier
et nous avons voulu l'accompagner en fait de 2 heures de réflexion, d'échange et de présentation autour de ce médium qui est à la fois extrêmement ancien, multiséculaire et qui en même temps aujourd'hui, comme même depuis près d'une centaine d'années, est sans cesse remis en cause, et voir comment articuler ce que vous avez pu voir ici ou ce que vous pouvez voir dans les musées avec la réflexion aujourd'hui. La première partie de l'après-midi se passera avec une conférence de Isabelle Gros, qui donc est une historienne de l'art, critique d'art, éditrice, professeure d'histoire et de théorie à la Staatliche Hochschule für Bildende Kunst de Francfort, et qui a écrit un livre récemment qui s'appelait L'amour de la peinture, The Love of Painting, il n'est malheureusement pas traduit, et qui réfléchit justement sur la place de la peinture aujourd'hui dans nos représentations, la place symbolique, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a souhaité introduire en fait son intervention par ce clip de Jay-Z et Beyoncé qui montre comment finalement la peinture n'est plus seulement un élément d'appréciation esthétique ou de critère de beau, mais devient une sorte de valeur, un enjeu symbolique très fort dans nos sociétés, et non seulement la peinture contemporaine dont on va plutôt parler maintenant, mais la peinture en général. La deuxième partie de l'après-midi se passera cette fois-ci dans une sorte de table ronde qui réunira cette fois-ci 3 points de vue différents, ou 4 peut-être, même le mien, puisque j'étais un des commissaires de l'exposition Le Parti de la peinture, celui d'un peintre, Yann Peiming, d'une critique d'art, historienne de l'art française qui s'appelle Annaëlle Pigeat, et puis avec Isabelle Gros, et on sera une sorte de dialogue, si c'est possible, entre ces 4 points de vue très différents sur cette question. Voilà, donc si je peux encore vous présenter un peu plus longuement Isabelle Gros. Donc elle a écrit donc ce livre The Love of Painting. Elle en avait écrit un autre, elle est cofondatrice et directrice de la revue allemande qui s'appelle Text zur Kunst, en 1990, une revue qui a vocation à réaffirmer le rôle de la critique face à un art justement qui ne porterait pas de discours ou qui serait uniquement une question d'objet. Elle a été aussi formée en partie à Sciences Po Paris, je le précise parce que ce n'est pas son titre principal, mais du coup une certaine proximité avec la scène française, et en tout cas avec Paris, et elle écrit régulièrement sur des artistes ou en dialogue avec eux, notamment Jutta Kötter, Mike Kelly ou Cindy Sherman. Et dans son livre aussi, ce qui nous a intéressé, c'est qu'elle entretenait des dialogues avec des artistes que nous présentons, notamment Albert Eulen ou Wade Gueton. Et donc c'était pour nous cet équilibre assez difficile à trouver entre quelqu'un qui a à la fois une théorie de l'art assez élaborée et qui en même temps connaît extrêmement bien la scène contemporaine. Voilà, donc je lui laisse la parole donc, pour parler de ce médium qui est de plus en plus, qui est à la fois qu'on décrète mort depuis quasiment la Renaissance et qui est pourtant est très présent, que ce soit chez nous évidemment, dans d'autres musées où il y a beaucoup d'accrochages qui sont de plus en plus tournés autour de la peinture, dans les galeries ou même encore dans le marché, puisque David Hockney, un tableau de David Hockney a fait un prix de 80 millions de vente, donc il y a une valeur de la peinture assez importante. Voilà, donc la première heure, j'appelle Isabelle, et dans la deuxième heure, on partira une version un peu plus élargie. Je vous remercie. Ah, j'ai besoin de ce truc. Bonjour Paris. Sébastien, merci beaucoup pour cette introduction. Je voudrais aussi remercier Suzanne Paget de m'avoir invitée à Paris, et aussi Ariane Dubois et Lise Blanc de m'avoir aidée pour tout organiser, et aussi Ludovic Delalande, évidemment.
Toute cette équipe était merveilleuse. Maintenant, malheureusement, je ne peux pas continuer en français parce que j'ai perdu mon français un peu pendant ces années dernières, et spécialement parce que le vocabulaire technique dont j'ai besoin pour parler de la peinture, je suis pas très, très, très bon en français. Alors maintenant, I'm switching to English. Donc maintenant, je passe à l'anglais. Avant de commencer, concernant les images que je vais vous montrer, eh bien, ces images sont plutôt des illustrations de ma présentation. Je ne pourrai pas rendre justice à la spécificité et aux détails de toutes les œuvres d'art que je vais présenter. Pardonnez-moi d'avance, un dernier mot. Même si je parle en anglais à partir de maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions en français après, et j'essaierai d'y répondre en français ou en anglais. Aujourd'hui, ce soir, je vais vous parler de l'économie de la peinture, note sur la vitalité d'un médium à succès. C'est une présentation qui est fondée sur mon livre qui s'appelle en anglais The Love of Painting, l'amour de la peinture, généalogie d'un médium à succès. Eh bien, ce titre est plus ou moins délibérément trompeur, qui, en fait, affirme un amour de la peinture qui semble surprenant, car contrairement aux années 50, contrairement à ce qui se passait dans les années 50, la peinture est loin d'être la forme d'art la plus populaire au XXIe siècle et encore moins dominante. Les hiérarchies entre les genres artistiques se sont complètement dissoutes depuis les années 60 dans le cadre de ce que l'on appelle souvent la dissolution des frontières artistiques, comme on dit en allemand. Cette dissolution des frontières artistiques depuis les années 60 nous a conduit à une situation où les hiérarchies entre les genres artistiques se sont dissoutes et ont disparu, se dissolvent. D'ailleurs, beaucoup d'artistes, comme vous le savez, les artistes veulent une approche multimédia, ou alors ils ont des pratiques d'installation. Voyez quelques exemples des pratiques fondées sur des installations dans l'art contemporain. Eh bien, les pratiques picturales ont également une longue histoire. Elles ont toujours repoussé les limites du tableau peint. Par exemple, prenez la manière dont les tableaux sont accrochés. C'est une composante essentielle de la forme d'art. Regardez Rebecca Coetman, regardez par exemple la manière dont le monde extérieur est traité comme une toile, comme une surface, comme dans le travail que fait Katharina Gross. Ça, c'est Rebecca Coetman. La manière dont elle accroche ses œuvres. Et ici, vous voyez Katharina Gross, qui est un exemple où on voit le monde extérieur, le bâtiment dans son ensemble est traité comme une surface à peindre. Quand on regarde la sphère institutionnelle du monde de l'art, c'est-à-dire le segment que l'on voit par exemple ici dans le cadre de l'extension du Tate moderne, on note également une domination de formats autres que la peinture, comme les arts du spectacle, le film et la photographie. Cependant, mon argument dans ce livre, qui semble en fait contre-intuitif d'un point de vue sociologique, consiste à dire que la peinture conserve une position exceptionnelle dans l'ère actuelle. Eh bien, d'une part, la peinture a un statut spécial en dépit de la dissolution des hiérarchies entre les genres,
Et mon amour de la peinture, bien sûr, tout cela mérite explication, car il y a une contradiction. Je dirais pour l'instant que le statut spécial de la peinture et la vision d'amour qu'elle engendre, j'attribue tout cela à ce que je vais appeler le potentiel vitaliste. Les rêves vitalistes déclenchés par la peinture, et je reviendrai sur ce pouvoir vital de la peinture, mais avant cela, qu'est-ce que j'entends par la notion de peinture? J'aimerais maintenant procéder en 8 temps. Je vais annoncer chaque temps afin que vous puissiez me suivre et j'aimerais surtout ne pas trop vous ennuyer par mon discours. Après quoi, nous pourrons discuter de chacun de ces temps et vous pourrez bien sûr les remettre en question si vous n'êtes pas d'accord. Step one. Première étape, la peinture en tant que formation. Comme beaucoup de termes génériques, la peinture peut signifier toutes sortes de choses différentes. On peut peindre sur une surface plane, la peinture peut être une pratique artistique concrète, la peinture c'est aussi une institution du XVIIIe siècle, une invention moderne ou alors un tableau. Et bien sûr, le concept de peinture va au-delà d'un tableau, mais c'est aussi un terme très vague qui est lié à l'évolution historique de cette forme d'art qui est devenue de plus en plus peu spécifique. Avec l'avant-garde historique du début du XXe siècle, la peinture a commencé à se développer et à s'ouvrir au monde qui l'entourait. Elle a commencé par inscrire des mondes littéralement dans la peinture, on le voit dans les collages de Braque et de Picasso, ou alors elle a commencé à s'étendre dans l'espace et sur un plan métaphorique, on a commencé à la voir dans certaines réalités comme les installations de Lissitzky. Bien sûr, le concept moderne restrictif de peinture ne correspond pas à ces évolutions. Il y a eu Clément Greenberg qui dit que le tableau s'arrête à son cadre et n'est assujetti qu'à des conventions données et immanentes. Moi, au contraire, je pense qu'il faut une différente conception, une conception différente de la peinture, une vision qui puisse tenir compte de l'ouverture de cette forme d'art, outre sa spécificité. Il nous faut donc un concept de peinture, comme je le disais, qui capture le fait que la peinture s'est développée depuis l'avant-garde historique. En même temps, il faut un concept, une vision de peinture qui rende justice à sa spécificité, ou en tout cas à sa spécificité résiduelle. Car si la peinture n'avait aucune spécificité, le terme même de peinture n'aurait plus aucun sens. Dans ce contexte, et après avoir réfléchi pendant longtemps, j'aimerais définir la peinture comme étant une formation. Et là, je reprends le terme emprunté à Michel Foucault. Je définis la peinture comme une formation, ce qui me permet d'en décrire la spécificité ainsi que son actuelle déspécification, c'est-à-dire le fait qu'elle devient de moins en moins spécifique. D'après Foucault, les formations sont des structures historiques qui évoluent avec le temps, tout en obéissant à certaines règles de formation. Elles sont donc à la fois spécifiques et non spécifiques. En termes conceptuels, l'avantage de la formation, c'est qu'il nous permet d'envisager des évolutions, des ouvertures, des déplacements de frontières avec d'autres aspects qui restent dans le temps.
Par exemple, Foucault nous a parlé de plusieurs formations comme l'économie et la psychiatrie, mais la formation de la peinture n'a cessé d'absorber de nouveaux phénomènes. Regardez par exemple le nombre de peintres qui ont intégré la poésie, la rhétorique, la danse, la sculpture, la photographie, le film et le digital. Voici quelques exemples de ces influences mutuelle entre la peinture et les autres disciplines. Toutefois, même si la capacité d'absorption de la peinture en fait un médium extrêmement hétérogène, la peinture s'est obstinément maintenue, comme le dit Foucault. En fait, la peinture s'en est toujours tenue au format de la toile. Jusqu'à présent, les peintres et les non-peintres, d'ailleurs, retournent à ce format où ils font référence, sous une forme ou sous une autre. Je veux parler de la peinture sur toile. Voici quelques exemples. C'est la raison pour laquelle la peinture, à mon avis, fait référence à ces pratiques non picturales qui prennent le format du tableau sur toile. En fait, la peinture reste un point de référence important pour les pratiques non picturales. C'est ce que je décris dans mon livre avec l'exemple notamment des assemblages de Rachel Harrison et de Isa Gengsen. Je crois que ces œuvres s'inspirent des conventions de la peinture et adoptent une rhétorique picturale en appliquant, par exemple, des coups de brosse à l'impressionniste, à la surface, ou en utilisant des graffitis comme ceux de Isa Gengsen. Point 2, la popularité croissante de la peinture. J'ai également indiqué dans mon livre que ces dernières années, la peinture bénéficie de plus en plus d'attention dans le cadre des travaux critiques et de la théorie. Et tout ceci est parallèle à son évolution. Les expositions modernes ont également fait état de la renaissance de la peinture. Par exemple, on voit l'exposition au MoMA, l'exposition que vous voyez ici, jusqu'à plusieurs autres expositions sur la peinture, Painting Forever, à Berlin en 2013, par exemple. Plus récemment, on a eu l'exposition intitulée Peinture 2.0 à Munich, jusqu'à l'exposition ici à la Fondation Louis Vuitton sur la peinture, une vision pour la peinture. En fait, dans toutes ces expositions, la peinture est donnée comme si elle avait toujours existé. Cette tendance à la naturaliser est une tendance que j'ai constatée également dans plusieurs académies du début des années 2000. Contrairement à ce qui se passait dans les années 80, les étudiants qui peignent ne se sentent plus obligés de justifier le recours à la peinture. La peinture, maintenant, est considérée comme une pratique tout à fait courante qui ne pose aucun problème et les étudiants choisissent de peindre sans sentiment de culpabilité, comme si c'était pour eux une possibilité donnée et tout à fait naturelle. Quelques exemples ici pour illustrer mon propos. Une des écoles d'art où j'enseigne, où la peinture est à l'ordre du jour, et nous avons également la peinture en 2018. Eh bien, ce regain de légitimité de la peinture, je crois, est également indirectement lié à la critique de l'art, à la critique d'art, car la critique d'art a, à juste titre, libéré la peinture de son nuage d'obsolescence des années 90 en lui donnant une tradition dans l'histoire de la critique institutionnelle. Un exemple
qui permet de mieux comprendre les leçons de la critique. Par exemple, on peut prendre le texte de David Joselite, Painting Beside Itself. Je crois qu'à posteriori, on peut dire que c'est justement cette vision élargie et plus conceptuelle de la peinture qui a rendu à cet art son cachet. Lorsque on dit de la peinture qu'elle est une forme d'art conceptuel ou de critique institutionnelle, bien sûr, cela devient comme un méta-médium considéré comme entièrement non problématique, même si, bien sûr, la peinture peut quand même continuer d'être problématique à certains égards. Nous en sommes déjà au point 3. Nous avançons assez rapidement. La peinture et son prestige intellectuel. Comme vous le savez tous, la peinture reste très populaire lors des enchères, car bien sûr, ce sont toujours des tableaux souvent réalisés par des hommes qui y sont exposés. On a parlé de David Hockney. Ce sont des peintures réalisées par des hommes qui atteignent ce genre de record dans les salles aux enchères. Récemment, c'est le Salvador Mundi de Léonard de Vinci, autour de 1500, une peinture dont l'auteur reste controversé. Le spécialiste de Léonard, Frank Zollner, a dit qu'il s'agissait simplement d'un travail d'atelier, mais cependant, le tableau a quand même été vendu aux enchères pour 450 millions de dollars. Je crois que ce n'est pas par hasard qu'une peinture à l'huile réalisée par le génie de tous les temps ou atteigne une valeur aussi importante, même si la valeur symbolique n'est pas mesurée. Léonard lui-même a expliqué la primauté de la peinture compte tenu de sa concurrence avec d'autres formes d'art. Dans son Trattato della pittura, en 1651, Léonard de Vinci indique que la peinture est unique et permanente. D'après Léonard de Vinci, la peinture est unique, contrairement à la littérature, car elle n'est pas reproductible. Et, en fait, elle ne disparaît pas, elle reste précieuse et unique. Et je crois que, vraiment, il y a un lien tout à fait important entre ce caractère de préciosité et d'unicité. Le tableau est précieux à cause, justement, de son caractère unique. Et c'est son caractère unique d'objet matériel qui nous permet de le percevoir comme étant le produit d'un créateur singulier. Tous ces facteurs déjà mentionnés par Léonard, le caractère unique de la peinture, sa matérialité, son caractère précieux et sa longévité, tous ces éléments continuent de résonner de nos jours. De plus, ce qui sépare la peinture des autres formes d'art, c'est que la peinture dispose d'un prestige intellectuel énorme du fait des nombreuses tentatives faites dans l'histoire pour en améliorer l'image. Dans les différents traités, de nombreuses tentatives ont été faites pour distinguer la peinture de l'artisanat. J'ai montré comment, maintenant encore, nous sentons les efforts d'ennoblissement de la peinture. Des efforts perpétuels ont été faits pour élever la peinture, pour la distinguer de l'artisanat. Toute cette histoire de prestige, eh bien, tout cela est encore sensible aujourd'hui, même si, bien sûr, cela remonte à il y a très longtemps.
une relation d'amour et de haine qui a amené à une enquête sémiotique et à une approche généalogique. Il y a un grand nombre de raisons pour lesquelles j'ai juxtaposé dans mon titre de livre l'amour et la peintre. Il y a bien sûr des histoires, des raisons liées à l'histoire de l'art dans lesquelles je n'entrerai pas. Il y a également des raisons plus personnel que je vais peut-être aborder. Au cours des quelques dernières années, je me suis sentie plus affectée sur le plan intellectuel par les pratiques picturales et non picturales qui sont quelque part liées au format de la toile peinte. En fait, ces pratiques m'ont interpellée dans le cadre de ce que Adorno a appelé une constellation de problèmes, des couches de problèmes artistiques et sociaux qui m'ont posé problème en tant que spectateur également. J'aime bien quand l'œuvre d'art me pose problème et se présente comme étant un problème. Dans les années 80 et au début des années 90, par contre, mon approche vis-à-vis de la peinture était devenue beaucoup plus solide. Ce scepticisme vis-à-vis de la peinture ne concernait pas tant les tentatives d'historiens de l'art américain pour parler d'obsolescence de la peinture. Au contraire, ces adieux, entre guillemets, à la peinture, vous en voyez ici un exemple, le texte de Douglas Crimm, La fin de la peinture. Ces adieux à la peinture, donc, me semblaient assez controversés dans la mesure où je trouvais qu'ils avaient une tendance assez totalisante. Eh bien, je n'ai... Ma volonté d'aimer la peinture était plus liée au fait que j'étais entourée d'amoureux de la peinture dans ma ville de Cologne. Eh bien, toutes ces personnes semblaient vouloir personnifier cette forme d'art en en parlant d'une forme d'art comme si elle avait toujours existé. De plus, la simple mention de la peinture donnait l'impression qu'on parlait d'une entité unique. Dans la grammaire allemande, comme en français d'ailleurs, cette totalité semble en fait liée à un article. On parle non pas de peinture, mais de la peinture, die Malerei, comme on dit en allemand. Bien sûr, la peinture n'est pas un être supérieur et n'a pas la capacité d'agir. Je crois que cette notion de peinture comme étant un être supérieur a été abordée par Sigmar Polk, qui parle justement d'être supérieur et qui se moque un peu de cette notion. C'est la raison pour laquelle j'ai adopté une approche généalogique qui revient sur l'histoire de la peinture en tant que formation, et j'ai essayé également de rendre justice à la spécificité de certaines pratiques contemporaines. La peinture y est également examinée du point de vue sémiotique. J'ai décidé de considérer la peinture comme un langage spécifique. La peinture est un langage qui signifie certaines choses et ne peut pas être réduite au sens. Je suis particulièrement intéressée à l'indexicalité spécifique des signes picturaux qui, en fait, mettent de l'avant toujours leur forme physique, leur matérialité, leur caractère corporel. Je parle vraiment de signes picturaux et ces signes picturaux ont toujours pour tendance de se mettre en avant. Dans la peinture, nous percevons la matérialité du signe au-dessus de tout le reste, indépendamment de son référent ou de son mode de référence, qu'il s'agisse d'un mode iconique ou symbolique.
et cette dimension corporelle et matérielle des signes picturaux qui a mené énormément de spectateurs à voir dans ces signes des traces de la présence de leurs créateurs absents. La dimension corporelle et matérielle de ces signes peut bien sûr être plus ou moins soulignée. Prenez par exemple les surfaces de hautes pattes utilisées par Fautrier dans ses otages par rapport à ce que fait Wade Guiton avec ses toiles imprimées. Eh bien, les deux auteurs semblent indiquer que quelqu'un les a fait, que ce soit en se présentant comme des traces de leur auteur absent, dans le cas de Fautrier, ou alors en évoquant quelqu'un qui a initié la procédure mécanique, quelqu'un, donc l'artiste, qui a choisi de laisser les erreurs d'impression visibles, par exemple. Point numéro 5, la peinture comme étant une source de ce que je vais appeler des fantaisies vitalistes. L'idée selon laquelle le créateur de la peinture y est sous forme de fantôme, si je puis dire, se retrouve dans plusieurs théories de la peinture depuis longtemps. Par exemple, en France, en particulier, on a eu Denis Diderot, Daniel Arras, qui ont toujours donné ce pouvoir à la peinture. En d'autres termes, la peinture pourrait suggérer la présence de son créateur absent. Diderot, par exemple, a déjà assuré à ses lecteurs que, comme lui, les peintres intègrent leur âme, laissent leur âme dans leur œuvre. Plus tard, il y a eu Daniel Arras qui a mentionné devant les fresques de Piero della Francesca, il a mentionné la folie qui l'a conduit à imaginer ce dont l'artiste était en train de rêver pendant qu'il peignait. Il a projeté la conscience de la peinture dans son œuvre. Pour moi, cette notion qui est latente chez Diderot et chez Arras, cette notion d'un peintre bloqué dans sa peinture, dans une peinture plus ou moins vivante, voilà ce que j'appelle des fantaisies vitales. Ceci me ramène aux théories d'Aristote Bergson, le vitalisme. Ce que ces théories nous disent toutes, plus ou moins, c'est qu'il y a dans toutes sortes de choses, une manifestation de la nature. Un artiste de génie qui prouve l'existence de ce qu'il a appelé l'élan vital. Le tableau illustre donc un processus de vie autonome chez Bergson, car il semble obéir à ses propres lois qui ne peuvent pas être imitées. Quand on envisage la vision vitaliste de Bergson, on voit ce qui est sous-estimé ici dans cette approche, à mon avis, c'est l'impact des facteurs extérieurs comme les forces sociales, économiques qui façonnent également la production artistique. Il est également important de remarquer la grande variété de fantaisies vitalistes qui ont accompagné l'histoire européenne de la peinture. À bien des égards, ça a démarré avec l'idéal esthétique de la Renaissance, selon lequel les tableaux devait sembler plein de vie, animé. Sandro Botticelli l'a bien montré dans La Calomnie. Il y a des idées plus modernes également, plus tardives, selon lesquelles un tableau est doué de vie. Et le tableau se peint lui-même, ce qui confère une quasi-subjectivité au tableau. Sigmar Polke, dans ses œuvres tardives, a utilisé certains pigments qui a conféré une évolution constante et permanente au tableau, même une fois terminé.
Le tableau est donc doué de vie et évolue au fil du temps. Il y a une chose que j'aimerais dire sur ce point pour éviter tout malentendu. Je ne perçois pas ces fantaisies, ces fantasmes selon lesquels le tableau est doué de vie au point que le peintre s'y est enlisé ou est absent. Je ne perçois pas ces fantasmes ou ces fantaisies comme étant des productions purement illusoires. Mais c'est là ma démarche, mon approche de critique. Non. Je pense, au contraire, que ces fantaisies, ces fantasmes vitalistes sont ancrés dans la matière. Et cet ancrage matériel, crée une occasion. En d'autres termes, ces types de fantaisies ne sortent pas d'un chapeau, entre guillemets. Les artistes, bien souvent, et de façon délibérée, les invitent, et parfois, de façon idéale, s'en moquent, et sont parfaitement conscients de ce potentiel vitaliste que représente leur œuvre. Ils jouent avec cela. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, en tout cas en ce qui me concerne. Cependant, parallèlement, ces fantaisies, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, ces fantaisies qui sont produites par l'artiste, et parfois c'est fait de façon délibérée, eh bien ces fantaisies, ces fantasmes continuent de dépendre de la projection du spectateur. Il y a projection de sens de la part du spectateur dans le tableau. Et donc, ces fantaisies ne sont appelées au monde que par cet acte de projection. Et de plus, c'est la suggestion d'un mouvement, d'une vie dans ces tableaux vitalistes, entre guillemets, qui affecte de façon puissante le spectateur et qui peut même le stimuler. Et donc, un tableau peut sembler vivant s'il suggère, entre guillemets, un devenir qui, à son tour, peut affecter le spectateur de façon que la personne puisse projeter de la vie dans le tableau. Because it's about la marchandise. Nous allons parler de marchandise. Et c'est là ma sixième et dernière étape. J'associe le potentiel vitaliste du tableau avec une valeur, une forme spécifique, une forme valeur spécifique. Et je soumets que c'est dû à la capacité du tableau, sa capacité à déclencher des fantaisies vitalistes telles que l'idée selon laquelle ces tableaux sont d'une façon ou d'une autre enrichis par le travail de création du créateur et que ces tableaux font figure de marchandises idéales, entre guillemets. Un tableau n'est pas une marchandise comme les autres. C'est une marchandise bien particulière. Et je vous montre ici une œuvre de Kerstin Brecht. Il y a ici cette idée de travail au sens de délivrance, au sens de naissance. Et Kerstin Brecht prend ce topos et l'intègre au tableau. On voit également le nom qui y figure, Jake. Les marchandises. Qu'est-ce que c'est une marchandise? Eh bien, si on croit Karl Marx, c'est un petit peu l'autorité en la matière, n'est-ce pas? Une marchandise, c'est un bien destiné à être échangé, destiné à circuler, destiné à changer de main. Étant donné cette portabilité extrême, les tableaux semblent convenir tout particulièrement à ce type de transaction. Et à ce titre, on pourrait dire effectivement que c'est leur transportabilité qui les prédestine à devenir des marchandises. Dans l'économie mondiale qui a envahi le monde de l'art récemment,
Les tableaux circulent beaucoup plus que par le passé. Et pris en tant que tel, on peut les considérer comme un pur produit du travail, qui ne serait ni marchandise ni valeur. Mais à partir du moment où ces tableaux sont vendus aux enchères, sont présentés, sont abordés dans le cadre d'une ou de plusieurs biennales, à partir du moment où ils sont négociés ou échangés en échange d'une commission ou d'espèces, ou d'une simple reconnaissance symbolique, il y a transmutation et la marchandise, le tableau devient un objet de valeur. Il faut bien comprendre que même si le tableau partage de nombreuses caractéristiques avec d'autres produits ordinaires, le tableau conserve sa singularité. Ça n'est pas une marchandise comme les autres. C'est un objet matériel singulier qui se distingue justement par cette singularité, par sa présence physique. Et la singularité du tableau est associée de façon directe à l'individualité singulière du créateur. Et cela implique un lien étroit entre la personne et l'œuvre, lequel est authentifié par la signature de l'artiste. Et cette caractéristique matérielle est liée au processus du travail de l'auteur et le contient de façon immédiate. Et contrairement au fétichisme de la marchandisation qui mystifie les conditions du travail, d'après Marx, un tableau peut par conséquent créer l'impression qu'il porte sur lui les indices de sa propre création, par exemple les traces matérielles du travail de création. Et même lorsque le peintre n'a jamais mis la main sur la toile, soit qu'il a délégué le processus de création, soit qu'il a employé des procédés mécaniques, eh bien, le tableau se présente comme un indice métaphysique, entre guillemets, et suggère une connexion spirituelle plutôt que physique vis-à-vis du créateur. Et voici ici un autoportrait d'Alex Israel. Donc, il ne peint pas lui-même, mais il signe le tableau. Donc, il s'agit bien là d'un indice métaphysique qui suggère une connexion, un lien spirituel plutôt que physique entre le tableau et son créateur. Donc, les tableaux dont la production a été sous-traitée contiennent cependant l'initiative de l'auteur, du créateur, et c'est la raison pour laquelle la singularité du tableau ainsi que sa matérialité spécifique peut déclencher ce fantasme précapitaliste selon lequel le processus de travail y est déposé ou stocké de façon immédiate ou indirecte. Et par conséquent, les tableaux sont particulièrement en capacité de nourrir l'illusion selon laquelle ils sont doués d'une valeur substantielle. En d'autres termes, ils encouragent la conviction de l'existence d'une valeur intrinsèque, ce qui constitue une contradiction en soi. Et Marx l'a déjà fait remarquer. Et j'irai jusqu'à dire que le tableau lui-même nourrit cette illusion d'une valeur substantielle indépendamment de savoir si l'artiste a été, oui ou non, en contact avec l'œuvre, s'il a délégué sa fabrication ou s'il a utilisé des procédés mécaniques. Seven. Paintings versus numéro 7. Luxury goods. Similarities. And les tableaux par opposition aux produits de luxe, similitudes et différences. La capacité d'un tableau à induire l'illusion d'une valeur substantielle, eh bien, cette capacité transforme le tableau en une marchandise idéale. Et c'est la raison pour laquelle, ces dernières années, l'industrie du luxe s'est de plus en plus saisie de cet idéal. Les fabricants sortent des produits fabriqués en masse en édition limitée pour leur prêter emprunter l'aura de l'œuvre d'art, une œuvre d'art qui, elle, est unique, elle est singulière, pour que le produit de masse qui porte la marque de cette œuvre d'art en partage d'une certaine manière l'aura et le
prestige. Oui, le témoignage le plus récent de ce désir des industriels, eh bien, c'est la gamme des sacs Louis Vuitton, la gamme des grands maîtres, dont on doit la conception à Jeff Koons, et chaque sac représente un maître, un grand maître de la peinture. Alors, tous ces peintres sont des hommes. On voit leur nom affiché en lettres d'or au-dessus de l'image. Et ces lettres, entre guillemets, monumentales, non seulement démontrent, font la preuve de ce prestige culturel énorme de peintres tels que Boucher, Le Titien, Manet ou Poussin, mais on constate également une absence des femmes peintres. Encore une fois, les peintres féminins sont exclus de l'histoire. Et ça prouve effectivement que ce produit est inextricablement lié au nom du créateur. Il y a quelque part internalisation. Et les sacs montrent de façon très claire que, oui, il peut y avoir des similitudes entre un produit de luxe et une œuvre d'art, une similitude symbolique, mais jamais un sac ne pourrait revendiquer la même signification. Ici, vous voyez que le logo fait une concession à des peintres historiques significatifs. Et on voit même les initiales de Jeff Koons, JK. Il s'approprie le tableau, il s'approprie le sac. Il y a une référence, effectivement, à l'œuvre de référence de Jeff Koons, Le Lapin, 1986. Et on voit donc un lapin suspendu à une lanière en cuir, aux couleurs coordonnées. Donc la marque Louis Vuitton ici est remodelée, refaçonnée par la marque Jeff Koons. C'est un petit peu une compilation, le best-of de l'histoire de la peinture. Le point numéro 8, et c'est là mon dernier point, la valeur des fantaisies vitalistes. J'ai tenté de vous démontrer la façon dont les images peintes, dont les tableaux crée de multiples sortes de fantaisie vitalisme. Mais à mon sens, il est également important de se rendre compte que les tableaux, d'une certaine manière et au sens propre, s'interposent entre ces fantaisies. Et c'est dû à leur véritable nature de produit, à leur matérialité. Et je dirais qu'il y a également une confrontation avec la matière morte, avec l'auteur absent. Non seulement il y a déclenchement de ces projections vitalistes, mais il y a également réfutation, exagération ou mise en ridicule. Ce qui m'intéresse ici dans ces pratiques, c'est qu'elles semblent être conscientes du potentiel vitaliste, mais également semblent le négocier à bien des égards. Mais qu'est-ce qui rend ces fantaisies vitalistes aussi attrayantes dans une économie capitaliste? Moi, je soumets qu'il y a ici une promesse, la promesse d'un pouvoir ou d'une puissance qui se déroule de façon autonome, sans encontrer d'obstacles ou de limites. Et une telle fantaisie, à titre d'exemple, l'idée qu'un tableau se peint lui-même, eh bien, cette fantaisie fait fi de tout obstacle, de toute limite, de tout conflit. Cette fantaisie selon laquelle tout pouvoir, y compris dans la peinture, rencontre ce déroulement de façon illimitée. Or, que promettent ces fantaisies vitalistes de façon plus générale? Eh bien, dans son ouvrage « L'inconscient capitaliste », Samo Tomjik, en 2015, appelez ça la vie sans négativité, une vie qui demeure un vœu pieux, bien entendu, dans une société capitaliste où règnent les inégalités, les exclusions et les antagonismes. Finalement, la négativité règne en maître. Et c'est dû à cette qualité de produit matériel que le tableau est particulièrement en capacité de nourrir ses fantaisies, ses fantasmes. Mais ce charme supplémentaire se fonde sur le fait qu'on ne saurait réduire ces tableaux
à ces fantaisies. Et dans l'économie actuelle, qui est de plus en plus numérique, le tableau représente quelque chose d'assez improbable dans le monde du travail contemporain. Le tableau est associé à un type de travail, un type de labeur, un labeur artistique, où on constate une convergence croissante avec le travail de manière générale, avec plus d'autodétermination, mais le résultat reste un produit matériel. Donc on constate une convergence entre le travail artistique d'une part et le travail de manière générale au cours de ces 20 dernières années. Cependant, j'aimerais mettre en exergue le fait que le travail artistique, malgré ces similitudes, demeure de façon comparative plus autodéterminé et qu'il entraîne également la création d'un produit matériel. Non, c'est pas forcément vrai si on travaille pour une boîte de pub, par exemple. Self-determined and it won't result in a material product that is that belongs to her, that is associated with her. On ne peut pas forcément dire la même chose pour une publicité. On ne peut pas forcément dire la même chose de la relation entre un publicitaire et la pub qu'il aura créée. Et cette façon de travailler, ce mode de travail privilégié, avec une autodétermination et avec la création à terme d'un produit matériel, eh bien, à mon sens, c'est à cause de l'improbabilité de ce mode de travail dans une économie de plus en plus numérique que la peinture, que le tableau exerce une fascination croissante. Non seulement le tableau, mais le peintre également. Et c'est à la lumière de ces circonstances que je souhaitais rédiger, sans trop de modestie, certes, une critique de l'économie picturale. Une critique qui enregistre les privilèges sociaux liés au tableau en tant que travail, mais examine également les deux formes de l'image peinte en tant que valeur, mais également en tant que marchandise. Et au lieu de me concentrer uniquement sur la sphère de la production, j'aimerais également reconnaître le rôle du récipiendaire s'agissant de la production de valeur dans la peinture. Afin que les images peintes soient considérées comme porteuses de valeur, elles doivent attirer une puissance affective, réceptive et collective. L'économiste français André Orléans parlait d'affect commun. Donc, pour être considéré comme porteur de valeur, comme précieux, le tableau doit attirer une puissance affective, réceptive et collective. Et c'est un pouvoir, c'est une puissance qui s'adresse uniquement à certains tableaux, les considérant comme dignes d'attention, tout en ignorant complètement les autres. Et donc, sans spectateur qui est prêt à se projeter et prêt à s'investir dans le tableau, et je me compte dans le lot, sans ces spectateurs qui sont prêts à se projeter et à s'investir dans le tableau, il ne saurait pas y avoir d'avenir de la peinture. Merci de votre attention. Je voudrais vous poser une question. J'espère avoir bien compris. Vous, à la fin, vous avez parlé. Vous êtes où? Ah, en français. En français, okay. C'est possible. On va voir. D'accord. À la fin de votre exposé, vous avez parlé de la matière de la peinture, qui était quelque chose de respectable et qui attirait et fascinait les gens dans une ère du digital. J'ai bien compris. Mm-hmm. Non. À la fin, j'ai parlé. Du type de travail qui est associé avec la peinture, c'est ce que j'appelle le travail artistique. Et je parle de ce travail artistique, je le compare avec le travail général. Il y a des
There are some overlaps between specific artistic labor. Il existe des chevauchements entre le travail artistique et le travail de façon générale, mais de façon comparative, le travail artistique est plus autodéterminé et entraîne la création d'un produit. Et c'est quelque chose de plus en plus improbable dans le monde numérique actuel. Par conséquent, les gens sont de plus en plus fascinés par la peinture dans le monde actuel, car c'est un mode de travail qui est devenu de plus en plus rare. Je parlais moins de la matérialité. J'ai une deuxième question. Tous les tableaux que vous avez montrés sont de nature très conceptuelle. Et que pensez-vous des tableaux figuratifs de tradition plus traditionnelle, conventionnelle, étant donné dans le monde contemporain d'aujourd'hui? Je ne suis pas sûre que ce soit véridique, que tous mes tableaux soient principalement conceptuels. Joan Mitchell's work as conceptual painting. Ou alors, l'œuvre de Joan Mitchell est conceptuelle. Je ne suis pas forcément sûre de ça. Mais effectivement, ces tableaux prennent en charge la nature de la peinture, la nature du tableau comme étant une réflexion. Puis rappelez-vous de ce que je vous ai montré, Yuta Akuta a beaucoup travaillé sur le trope figuratif. Je ne me fonde pas sur ce type de distinction. Il y a énormément d'œuvres abstraites qui tout d'un coup apparaissent figuratives, et je pense qu'il est tout à fait possible de détecter ou de déceler des figures dans une œuvre abstraite. Mais je pense que cette caractérisation tient la route de toute façon. Moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les artistes contemporains qui ont, entre guillemets, intériorisé les leçons de l'art contemporain et la critique institutionnelle d'une façon qui leur permet d'éviter cet expressivisme néo-néo-hippie, entre guillemets. On a tout intériorisé, maintenant on peut faire ce qu'on veut. Non, vous savez, vous connaissez la scène artistique allemande, vous avez énormément de peintres qui disent, d'accord, maintenant on a absorbé l'art conceptuel, c'est bon, on va maintenant revenir à un style plus libre qui rejette tout ce patrimoine historique. Moi, le patrimoine historique est incontournable, qu'on soit peintre ou pas. On ne saurait l'ignorer. On ne peut pas prétendre que ça n'a jamais arrivé. Et puis, c'est un petit peu la tendance actuelle dans le monde de l'art. Je trouve ce que vous venez de dire extrêmement intéressant, mais ce qui m'intéresse, c'est le processus d'intériorisation, mais ça n'est pas systématique. Il y a des pays où ça n'arrive pas. Dans certains pays, il y a quand même une distinction qui demeure entre l'art abstrait et l'art figuratif. Mais ces fameuses fantaisies ou fantasmes vitalistes, ce mythe intrinsèque du tableau, mais votre position était un petit peu ambivalente. Vous parlez de fantaisie et vous présentez le groupe Werner d'artistes masculins. C'est à la limite du comique, mais la valeur intrinsèque, il faut bien prendre en compte qu'il y a comme résultat un véritable fétichisme. Moi, ce qui m'intéresse, et je vous promets d'arriver à mes deux questions, étant donné cette ambivalence que vous semblez porter dans votre argumentaire, à votre avis, à l'heure actuelle, quel est l'isotope de la peinture? Le quoi? L'isotope. La réduction par l'absurde. Il ne s'agit pas d'un fétichisme intrinsèque. Absolument pas.
même si le fétichisme a été digéré par le postmodernisme et puis les jeunes peintres y retournent de façon différente. Mais étant donné cet intérêt énormément en Allemagne, dans le monde anglo-saxon pour la peinture, mais le fait que la peinture, c'est un acte. C'est un acte, c'est une action, c'est un processus par opposition à la surface plate de la peinture au sens français du terme. Donc, quelles sont les similitudes, le point de vue commun, si ça n'est pas justement cette idée selon laquelle il y a une valeur intrinsèque, cette vérité intrinsèque, à quoi correspond donc cette valeur? Je pense que ce serait vraiment problématique si je généralisais. Généralisais les points communs qui peuvent exister entre ces différents peintres. Vous savez, l'objectif de l'ouvrage était véritablement d'explorer la question et d'essayer de comprendre le statut particulier de la peinture. Un statut qu'on peut prouver de façon sociologique à bien des égards, le prouver grâce à une généalogie bien établie. On est revenu vers le passé, on a examiné tous ces arguments qui ont été mobilisés en faveur de la peinture et qui contribue à cet historique d'un prestige absolument énorme. Moi, je dirais que quelque chose m'a toujours intrigué. Et ce qui m'intrigue, c'est ce statut très particulier qui existe à tous les niveaux, qu'il s'agisse des critiques d'art ou des galeristes ou des peintres ou du public. Énormément de critiques d'art disaient, moi, la peinture, je ne peux pas écrire là-dessus, je ne suis vraiment pas connaisseur en la matière, il y a ce respect de la peinture, des tableaux, même à un titre rhétorique à Cologne, lorsqu'on parle de la peinture ou des tableaux, le Malerei, c'est toujours un événement exceptionnel, particulier, c'est mis sur un piédestal. Ça occupe un plan d'existence supérieur dans la hiérarchie des différentes formes d'art. Alors, on est d'accord, il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes formes d'art depuis l'avant-garde. Mais à quoi ça correspond, ce statut particulier de la peinture? Et c'est là l'objectif de l'ouvrage. D'une part, on conclut, effectivement, oui, les tableaux ont un statut particulier. C'est une image peinte, une image sur toile. Et il y a des facteurs économiques à prendre en compte, la portabilité, la facilité pour transporter, pour négocier, pour échanger les peintures. Et pour moi, une toile peinte en tant que forme d'art est éminemment réifiable. C'est rappelez-vous ce qu'a dit Wolfgang Tillmans ou Gorski. Bien entendu, c'est la même rhétorique, c'est la même forme qu'on aborde. Mais pour vous dire la vérité, ça m'a pris un an pour arriver à cette notion. Le tableau en tant que formation, parce que je me grattais la tête. D'une part, il y a une déspécification du tableau à terme. On peut dire que tout peut devenir tableau. Un tableau, ça peut être un petit peu n'importe quoi. Et ensuite, je suis arrivée à cette conclusion qu'il s'agit là, que le tableau est une image sur toile, car ça m'a permis de rassembler les deux. D'une part, la perte de spécification, d'une part, et d'autre part, la spécificité. Et les deux sont conciliables dans le cadre de ce processus de formation. Car il y a incorporation et il y a maintien d'un invariant dans l'évolution. À mon avis, il y a artiste et puis il y a artiste, hein, donc ce serait problématique de vouloir généraliser. Au début des années 80, vous aviez différents artistes allemands qui ont décidé de devenir peintres. C'est un petit peu la course. Avant que toi tu te mettes à peindre, eh bien je vais m'y mettre aussi. Et c'était une pratique qui était surdéterminée en Allemagne.
Pourquoi ne pas se lancer? Il y avait un mouvement. C'était une façon de procéder parmi d'autres. Mais dans l'école d'art où j'enseigne, et bon, je suis un petit peu sceptique, je constate une naturalisation du tableau. Mais qu'est-ce qu'on ferait d'autre? Nous sommes en train de peindre, il n'y a aucun doute là-dessus. La question de savoir quelle tradition s'agit-il, quelles en sont les origines économiques ou politiques, etc. La première série à Florence a été l'occasion d'une missive à un ami, et l'artiste a dit : j'ai commencé à peindre sur des toiles même. Il y avait une véritable conscience de ce capital culturel que l'on revendique pour soi-même. C'était un geste, c'était une réaction un petit peu punk. On fait les choses soi-même. Et effectivement, c'est compliqué. Et on est obligé de spécifier les choses et de regarder, d'examiner les choses cas après cas, car on ne saurait généraliser. Donc voilà, on passe à la deuxième partie de la table ronde avec Isabelle qui reste avec nous, Anaël Pijat et Yann Peiming. Donc je donnerai la parole d'abord à Yann Peiming, mais je vous présente rapidement Anaël. Donc Anaël est critique d'art. Depuis 15 ans, elle travaille sur cette question. Elle a été rédactrice en chef de la revue Art Press de 2011 à 2018. Elle est chroniqueur ou chroniqueuse ou chroniqueur-e à La Dispute, donc sur France Culture, et aussi productrice pour les masterclass de France Culture. Elle a travaillé au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris et elle est actuellement encore en charge de la part art de Paris Match. Et enfin, elle est éditeur at large du nouveau mensuel papier The Art Newspaper, édition française, qui a contribué à lancer en octobre dernier. Donc, trois locuteurs pour cette question qui est toujours celle qui nous réunit, la peinture. J'adore cette phrase de Matisse qui disait un jour, vous voulez faire de la peinture, alors commencez alors pour vous couper la langue. Donc, c'est un peu paradoxal de parler d'un médium qui n'appelle pas justement le commentaire. Et c'est en même temps ce qu'on va faire. Et je voulais commencer par, comme une sorte de contrepoint à l'exposé d'Isabelle, de donner la parole à Yann Peiming. Dont nous avons la chance, car en général, Yann Peiming ne parle pas, ne donne pas de conférences, donc c'est un peu un cadeau qui nous fait. Je vous le présente rapidement. Yann Peiming est né en 1960 à Shanghai. Il a grandi dans un temple bouddhiste, ou peut-être après vous pourrez préciser. Et il arrive en France en 1980. Il vit et travaille à Dijon, c'est là qu'il arrive, et c'est là encore qu'il passe, je pense, le plus clair de son temps. Et il est connu et reconnu d'ailleurs, puisque c'est un des artistes, un des peintres français, je pense, le plus connu et reconnu en France et à l'étranger, pour des peintures de taille monumentale, en général monochrome, noir, rouge, maintenant à la fois noir et rouge, marquées justement par des traits, des larges traits, des coups de pinceau expressifs, une peinture extrêmement incarnée, et qui a commencé donc par travailler beaucoup à partir du portrait. Qui maintenant s'est diversifié sur le paysage et une série qu'il a commencé. Donc, tu souhaitais nous parler très précisément d'une série qu'il réalise en ce moment autour de l'atelier de Courbet à Ornans. Alors, Yann Peiming, je pouvais pas résister à commencer par une anecdote que vous m'avez racontée. Donc au début, il était à Dijon et il souhaitait faire une exposition, il n'a pas fait d'exposition. Et donc Xavier Dourroux, qui travaillait donc au consortium, lui donne une lettre de recommandation et il va voir donc le Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, très précisément la personne qui s'occupait à l'époque de l'Arc, Suzanne Paget. Et donc il lui déroule ses peintures, il vient avec ses peintures sur le bras. Et donc Suzanne Paget, donc en voyant les peintures, lui dit « Non, ça c'est de la peinture maniérée ». Et là, il était un peu déstabilisé et il a en fait pris le contre-pied en disant « Non, ça, c'est une peinture engagée ». Et alors, je ne connais pas exactement le détail de cet échange, mais toujours est-il que sa première exposition a effectivement lieu à la suite de cette rencontre.
Donc voilà, on fait un saut dans le temps d'une trentaine d'années et je vous laisse la parole. Pour préciser, donc, Yann Peiming fera une présentation d'une dizaine de minutes. Après, donc, Anaëlle parlera plus de la situation de la peinture en France aujourd'hui. Et puis après, j'espère qu'il y aura un échange, et en tout cas entre nous quatre et avec vous, je l'espère. Merci. Voilà. Je vous remercie à Suzanne. Voilà, donc elle m'a piégé. Excusez-moi, si on peut couper la lumière du haut. Je ne peux pas refuser Suzanne parce que, comme c'était ma première présentation à Paris en 88, c'est elle qui m'a invité. Donc, dans une condition assez étrange, mais que je suis invité. Voilà, donc, ça c'est une photo de hier. Hier, je suis encore dans l'atelier de Courbet. C'est au musée de Kobe qui m'a invité pour le bicentenaire de la naissance de Kobe. Il vient de récupérer un atelier et sa maison. Donc, on m'a proposé de faire une résidence. Donc, je dors dans la chambre de Kobe, je travaille dans l'atelier de Kobe. Je pense que c'est à la fois difficile, à la fois très excitant. Donc, voilà, je suis resté une vingtaine de jours là-bas. C'est un autoportrait, présence dans l'atelier, dans son atelier. Voilà, je veux être présent. Il fait 4 mètres par 3. Le portrait du Kobe avec un gilet. Heureusement, je fais la peinture en noir et blanc. À 1m50 par 1m50. Mais je vais vous montrer ça assez rapidement. Hein. Donc, si j'ai l'image, je peux parler un peu plus, comment dire, qui m'aide à parler. Je ne suis pas un grand théoricien comme Isabelle. Ça, c'est une exposition que je fais en simple devance à Fondation MAG en 2007. Donc avec la femme de Giacometti, portrait de Giacometti. Et le titre de l'exposition, c'est Artiste. Et le portrait de l'artiste. Ça, c'est 2009. C'est le funérail de Mona Lisa au Louvre. Ça, c'est... Quand le Henri Loiret, voilà, à l'époque, c'est le président du Louvre, qui m'a dit, je veux bien que tu fasses une liaison avec une peinture au Louvre. Quelle peinture ? Je lui fais une présenterie. Je dis, la peinture la plus connue, plus touristique, c'est Mona Lisa. Je dis, oui, que je veux faire le Mona Lisa. Oh là là, je suis piégé. Je reste un an à réfléchir. Voilà. Après, j'ai trouvé un angle. Voilà, c'est le funérail de Mona Lisa parce qu'il est derrière le salle de la vraie Mona Lisa. C'est comme le lombe de Mona Lisa. Donc, quand le jour que j'ai compris que c'est une projection de vraie Mona Lisa, le projet est né. Ça, c'est une exposition que je fais à San Francisco, École des Beaux-Arts. Voilà, donc, évidemment, je suis associé d'Obama avec deux soldats américains inconnus. Une sorte de... À côté aussi, il y a des aquarelles, mais je ne vais pas présenter. Ce sont des aquarelles, il y a le cercueil avec drapeau américain. Voilà, on part debout, on sort, on entre... Avec le drapeau américain sur le corps, sur le cercueil. Je fais quelques dollars voilà, à l'aquarelle, on le donne quelques dollars. Voilà. C'est une exposition assez politique.
sur le sentiment de la guerre. Voilà, la présence de président. Voilà, de président, quand le soldat qui entre, voilà, il va pleurer devant le peuple. Et ça, et les générations suivantes issues. Ça, c'est une série que je fais. Il est 150 portraits de le portrait arabe pour une exposition à Doha. Oh, il y a tout le monde. Hein. Le titre, c'est le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ouais, je n'ai même pas envie de marquer le printemps. Voilà, je dis quatre saisons, ils sont arrivés en même temps. Voilà, donc une sorte de... Il est le portrait de Kadhafi, il est chanteur, chanteuse, voilà, il est le philosophe, il est tout le monde, entre le bon et le mauvais. Voilà. C'est un projet. Ce sont de l'aquarelle. Ça, c'est une exposition à Nantes. C'est un jour que la conservatrice qui m'a appelé, elle m'a dit, ouais, un artiste qui m'a abandonné, voilà, que tu as que un mois et demi pour le faire, un projet avec moi. J'ai dit, je ne peux pas tout remplir de chapelle, je veux mettre trois autoportraits, une seule œuvre est à présent. C'est un jour parfait, voilà, au nom du chien. Voilà, j'ai travaillé pendant un mois que je livrais la peinture, que la peinture était encore humide. Voilà, c'est comme une sorte de pompier. Voilà, les gens qui m'appellent en catastrophe. Ça, c'est une expulsion que c'est un belvédère. Un belvédère, il y a une chapelle qui est en fonction. Comme une salle, il y a des mariages, tous les dimanches, il y a des cultes, tout ça. Voilà, donc je mets une crucifixion, comme une danseuse. Comme voilà, donc c'est vraiment assez émouvant hein, quand les gens qui sont. Le mariage qui est dans le truc, et moi je dis, oh, ça a fait une peinture de moi. Voilà, je suis assez content. Une expulsion. Personnel avec une seule peinture. Ça, c'est une exposition à la Villa Médicis. Le titre de l'exposition s'appelle Rome. Donc, c'est le commissaire, c'est Henri Loirette. Parce qu'on a fêté 350e anniversaire de la Villa Médicis. Donc, ils ont besoin de pensionnaires. Voilà, Henri Loirette, c'est ancien pensionnaire, et moi aussi. Voilà, donc on a fait un projet sur Rome. Voilà, ça, c'est le pape Jean-Paul II. Voilà. On a réussi à faire une photo avec un photographe, il s'appelle Claudio Abate, et que je l'ai oublié de le ramener. Quand la porte de la salle de l'exposition ouverte avec le portrait de pape, avec le pape, on voit le Vatican la nuit, seul bâtiment allumé. C'est vraiment très beau. Ça, c'est le fameux escalier pour des chevaux. À l'époque, c'est les chevaux qui ne rentraient pas là. Ça, c'est une exposition no comment. C'est une exposition à Malaga. Évidemment qu'à Malaga, je présente une revisite d'un goyard avec un chat. Il visait ça. Et la peinture, ils sont très grands, hein, 2 mètres 80 par 4 mètres. Ça, c'est Pape Jean-Paul II. Pape Jean 23. Ça, c'est une commande par la banque de Bergamo, parce que Jean 23, il est né à Bergamo, donc c'est la banque qui me demande. Voilà, après, ils remettent dans l'église.
Ça, c'est le paysage avec deux tigres. Ça, c'est la femme invisible. On voit que les yeux. Voilà. À la main, à un moment, j'ai envie de mettre un sac de Louis Vuitton, mais finalement, que je n'ai pas fait. Voilà. Je dis, oui, parce que je dis, un objet. C'est pour ça qu'il y a une main qui sort. Je dis, ah, peut-être que c'est pas mal, tout ça. Mais finalement, je trouve que c'est un peu trop. Quoi. Donc. Moi, ça, je le présenterai. Ça, c'est une peinture, je l'ai fait pour l'exposition de Rome. Évidemment, ça, c'est sur l'immigration, que tout ça. Voilà, donc, tous les thèmes qui sont à Rome, ça, c'est sur Rome, sauf celui-là. Voilà, que tous les immigrés qui arrivaient dans une petite île, après, ils vont tous arriver à Rome, quoi. La peinture fait 2,50 m par 10. Ça, c'est une peinture que Fondation de Louis Vuitton qui sont, ils sont achetés. Parce que l'autre, c'est immigration maritime. Celui-là, c'est terrestre. Voilà, donc il s'appelle le temps moderne. Parce que tous les immigrés, tous les gens, ils partent avec le GPS. Voilà, où c'est, tout ça. Voilà, que c'est une sorte de... Autrefois, quand des beat people, ils partent en cachette. Voilà, avec sa sœur, son frère, tout ça, en Vietnam, les gens, ils partent, personne ne sait, on paye un passeur. Les gens, ils partent en cachette. Ils sont pauvres, ils font rattraper, ils sont pauvres, ils font tuer. Voilà. Aujourd'hui, avec une nouvelle technologie, tout le monde, les réseaux sociaux, ils savent exactement où ils vont. Ils savent exactement quelle réunion. Voilà, ils sont tous avec deux GPS. Voilà, ils s'appellent le temps moderne. C'est, voilà, que les gens qui fuitent avec une GPS parce qu'ils savent très bien que où l'orientation. Parce qu'avant, quand on va avec un passeur, on ne sait pas où on va. Voilà. Ça, c'est Xavier Doureau, portrait d'un ami. C'est un ami à Dijon, il est le patron du consortium. Au mois de mai, je fais une exposition. Le titre de l'exposition, il s'appelle « L'homme qui pleure ». Il est mort il y a 2 ans. C'est un très bon copain. Fabien Stege, il est mort à Bataclan. C'est un très bon copain, un critique d'art allemand. Il est toujours, il m'a suivi partout, à toute l'exposition. Il m'a écrit, dans toute l'exposition que j'ai fait, il m'a suivi, il m'a écrit un article dans le Kunstforum. Depuis, il est mort, le Kunstforum, jamais plus d'article. C'est un très bon copain. C'est vraiment, voilà, que le titre de l'exposition à Dijon, il s'appelle « L'homme qui pleure ». Voilà, rendre hommage à deux copains que à Dijon, c'est mes amis, très profonds. On se voit tout le temps. Voilà, même il est en face de chez moi. C'est le jour où il y a une match entre la France et l'Allemagne. Normalement, on regarde toujours le match. Voilà, soit chez moi, soit chez lui. Le 13 novembre, je ne sais pas pourquoi, il va aller à Bataclan. On ne voit plus le match. Voilà. Donc, c'est une exposition autour de lui, autour de copains. Oui, la peinture, il faut qu'on parle. La peinture, ce n'est pas une caresse. Hein. Enfin, il faut que je évacue mes sentiments personnels, rendre... Voilà, deux personnes qui aimaient très cher à Dijon.
Ça, c'est le portrait de ma mère. Elle disparaît l'année prochaine, au mois de juin. Donc, en ce moment, la peinture fait 3,50 m, pas 3,50 m. Au musée d'Orsay, je veux faire une liaison avec Courbet. Courbet fait un enterrement à Ornans. Je fais une exposition, il s'appelle Un enterrement à Shanghai. Rendre à ma mère. Voilà, que c'est la seule façon de l'évacuer. Je l'aime, ça. J'ai envie d'exprimer. Évidemment, quand on parle de l'art, on parle de sentiments, enfance, c'est une question très suspecte. Voilà, donc je dis non. Le sujet aussi important que la peinture. Voilà, donc c'est... Évidemment, voilà, que j'ai perdu à ma maman, que c'est la seule chose que ça peut me faire. Évidemment, ça, je suis un enfant préféré de ma mère. Elle m'adore. Pourquoi? Elle est ouvrière. Quand j'avais 12 ans, 13 ans, je lui ai dit, je veux faire la calligraphie. Elle ne connaît absolument rien. Elle m'a accompagné dans un magasin à Shanghai. Elle demande, pour apprendre de la calligraphie, il faut quoi? On lui dit, il faut le papier, il faut le pinceau, il faut l'encre, tout ça. Elle a dépensé un mois de salaire. Après, pendant un mois, on mangeait que de soupe de riz pour tout le monde. Voilà, c'est vraiment une mère qui est vraiment, comment dire, elle ne connaît absolument rien, mais que l'art, mais elle m'a soutenu depuis l'enfance. Voilà, ça c'est... L'art, la peinture, c'est un engagement. Évidemment que j'ai eu l'occasion de faire autre chose quand je suis arrivé aux Beaux-Arts à Dijon. C'est évidemment une peinture, ce que je fais, que figuratif, tout ça. Évidemment, il y a les gens, ouais, pourquoi tu fais la peinture, tout ça. Voilà, et même il y a des professeurs qui me très, 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 très critiquaient. Hein. Un jour, je le dis, de toute façon, un jour, je serai beaucoup plus connu que toi. Voilà, ça, je sais. Voilà, voilà, donc, c'est... Pourquoi je sais? À l'époque, quand je commençais à faire la peinture, évidemment que ce n'est pas du tout à la mode. Voilà, que la peinture, c'est l'art conceptuel, le minimalisme, tout ça. Voilà, donc l'école de Beaux-Arts, il fait que ça. Voilà, que je fais de grosses têtes. Voilà, donc ça, les gens, ils sont un peu bizarres. À l'époque, je fais le portrait, il s'appelle anti-portrait. Donc je veux être un peu aussi un peu intellectuel, quoi. Je dis, je fais l'anti-portrait pour ne pas dire que je fais que le portrait. Voilà, une sorte de le stratégie que je l'ai mêlée pour que les gens qui acceptaient à mes peintures. Voilà, donc voilà. En ce moment-là, je fais qu'un seul portrait en vrai, c'est le portrait de Mao. Voilà, pour basculer entre le portrait, la peinture, tout ça. À l'époque, je pense que Xavier Duro, il a beaucoup m'aidé, parce que c'est un type, pourquoi? C'est lui qui a écrit une lettre de recommandation à Béatrice Parent, c'est le bras droit de Suzanne. La première phrase, il m'a dit, le travail de Yen Peiming, ce n'est pas notre tasse du thé. Voilà. Deuxième phrase, quand il s'agit d'une peinture forte, c'est une peinture incontournable, je vous prie de faire attention à cette jeune artiste-là. Voilà, donc, à partir de ce moment-là, évidemment que Béatrice Parent, qui a répondu à Xavier Duro, ouais, en plus que c'est Xavier Duro, il m'a laissé sa lettre à Béatrice, il m'a dit, envoyez-le. Je l'ai envoyé par une lettre recommandée à Béatrice Parent, au nom de Xavier Duro, accusé de réception. Évidemment que quand Béatrice qui a reçu ça,
Évidemment, elle me dit, ah, oh, il est sérieux, il m'a envoyé une lettre de recommandation, pas une lettre recommandée, tout ça, tout. Voilà, que je pense, c'est sûr, il parlait avec Suzanne, tous les deux qui me convoquaient, voilà, au musée La Modène, je suis venu au musée avec toile roulée. Voilà, évidemment, avec toile roulée, je l'amène. Quand je vois Suzanne Pagé, Laurence Bossé, et avec Béatrice Baran, je dis, oh là là, c'est fini, c'est impossible. Je t'étalais et la peinture. Suzanne Pagé, évidemment que je reconnais Suzanne Pagé parce que en 86, je suis allé pour le vernissage d'une exposition au musée de La Modène. Il s'appelle Atelier 86 sur la peinture. Et moi, ça m'a excité. Je l'ai renseigné, je sais quoi, tout ça, tout. Après, 2 ans après, il faut que je sois présent. Voilà. Donc, je fais tout pour réussir. Voilà. Suzanne, à l'époque, tous les deux, il dit rien. Je lui ai étalé une peinture. Suzanne m'a dit, votre peinture est trop maniérée. Je dis, madame, regardez ça, ça c'est une peinture engagée. Elle m'a dit, vous êtes invitée. Merci madame, je suis parti. J'étais le plus heureux de ma vie. Voilà. Je dis, c'est foutu, je vais lui lancer une réponse. Voilà, les réponses, bah, voilà, ils sont accrochés. Voilà, c'est en ce moment-là. C'est la première fois que je suis à Dijon, je suis arrivé à Paris. Voilà, c'est en ce moment-là que tout le monde ils ont vu à mes peintures là-bas. J'ai rencontré Bernard Macadet, j'ai rencontré Pontus, Buren, en ce moment-là. Voilà. Donc, en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle génération d'artistes, Otoniel, qui est dans l'exposition voilà, en même temps que moi, voilà, à partir de ce moment-là. Voilà. En plus, avec haute étude, avec Pontus Ulleten, atelier à Lac, chez Pontus Ulleten, haute étude, et aussi une résidence à 7 en 88, ma carrière était lancée. Merci beaucoup. Merci Suzanne pour cette invitation. Merci Sébastien, Ludovic et Lise. J'ai beaucoup réfléchi à la manière dont je pourrais m'exprimer après l'exposé aussi brillant que celui d'Isabelle Gros. Après les paroles de Ming, les paroles d'un artiste, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, je vais simplement m'adresser à vous du point de vue qui est le mien, non pas celui d'une théoricienne, mais d'une critique qui consiste à observer, à rendre compte et à mettre en valeur des œuvres vues et quelques convictions. Quelques mots d'abord sur cette jeune scène de la peinture à Paris, parce que oui, je crois qu'il en existe une qui est effectivement, évidemment liée à l'histoire de la peinture. Ce n'est pas un hasard qu'on se trouve à quelques mètres à peine de l'exposition de la collection de Samuel Courtauld, qui est si liée à l'histoire de Paris. Et puis parce qu'il me semble qu'il règne à Paris en ce moment un certain dynamisme d'une jeune peinture qui est peut-être liée tout simplement à la situation de l'École des Beaux-Arts organisée sous la forme d'ateliers. C'est une exception en France, parmi lesquels il y a un certain nombre de peintres qui tiennent ces ateliers, Tim Heitel, François Boiron, James Reilly. Et cela génère entre des jeunes artistes, c'est peut-être une évidence de le dire, mais ça me semble très important, des conversations qui se traduisent de manière plus ou moins visible ou invisible dans des œuvres, par des échos qui peuvent être iconographiques, plus ou moins conscients, plus ou moins volontaires, des échos formels, et puis de temps en temps, des échos qui sont le fruit de conversations purement techniques, qui sont parfois invisibles à l'œil nu et pourtant essentielles. La peinture aussi à Paris, parce qu'on en voit dans les institutions, c'est peu de le rappeler, on l'a fait déjà ici. On peut citer aussi la Fondation Cartier en ce moment, qui a une exposition de jeunes artistes dans laquelle la peinture est extrêmement présente. Et puis aussi parce qu'il me semble que Paris est aujourd'hui extrêmement attirant pour de jeunes artistes étrangers, et des peintres en particulier, des Italiens, il y en a dans la salle, des Anglais, il y en a dans la salle, des Suisses. Et puis, il y a enfin aussi tous ces jeunes artistes français qui ont voulu rester à Paris après avoir été faire leur classe, après avoir été explorer le monde, et qui sont revenus travailler ici
peut-être parce que cette ville leur procure quelque chose dans leur recherche. Mais malheureusement, il faut le dire aussi, cette scène a quelque chose qui semble encore trop balbutiant, qui n'est peut-être pas assez soutenu encore pour qu'elle effectue un véritable décollage international, qui soit véritablement tangible. Si on se demande les raisons de cette situation, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de galeries assez, enfin, pas de galeries assez puissantes, ou que les galeries les plus puissantes, finalement, représentent relativement peu de peintres, peut-être parce que le soutien des collectionneurs ou des institutions pourrait être plus fort encore. Alors, à présent, je voudrais essayer de dresser, l'exercice impossible évidemment, une sorte de panorama de cette peinture. Alors, Sébastien parlait d'une peinture en France, mais c'est impossible en fait de parler de la peinture en France aujourd'hui. C'est forcément une vision qui dépasse les frontières de la, enfin, du pays. Alors, de quoi cette peinture parle-t-elle? Il y a quelques axes qui, me semble-t-il, se dégage une présence assumée de l'histoire de l'art chez certains artistes, chez ces peintres. Il n'est pas rare de voir ici ou là des citations très directes de Manet, de William Morris, de Malevich. Je parle là de très jeunes artistes, mais le travail de Ming est évidemment édifiant à cet effet. De même que l'on retrouve la présence de genres classiques de la peinture, comme le portrait, là aussi Ming, chose que l'on retrouve aussi chez de très jeunes artistes, ou encore le sujet de la peinture d'histoire. Un autre point pourrait être... Tout ça sont des évidences, ce sont les fruits de rencontres, mais c'est peut-être des choses qui méritent quand même d'être dites. La contamination du monde visuel d'Internet, l'iconographie d'Instagram qu'on voit fleurir dans de nombreuses expositions, à la surface de nombreuses toiles, des marques de vêtements, des publicités érotiques, on pourrait citer mille noms. Ce qui me semble remarquable là-dedans, c'est moins l'iconographie que ça représente que le contraste que l'on peut voir parfois entre des endroits extraordinairement plats de la peinture qui sont produits par l'influence des images digitales. Je pense par exemple au travail d'un artiste anglais qui s'appelle Holly Epp, qu'on a pu voir à la galerie Semioz récemment. Contraste entre ces zones très plates de la peinture et d'autres morceaux de peinture véritablement qui ont une profondeur et une épaisseur et une matérialité d'un extrême intérêt. Un autre point, je ne sais pas s'il est généralisable, en tout cas il m'intéresse assurément, c'est la synergie entre la peinture et le cinéma aujourd'hui. Il me semble qu'on voit de plus en plus de cinéastes qui sont engagés dans des circuits internationaux, qui ont été formés dans des écoles d'art, et il n'est pas rare que ceux-là aient été formés par des peintres. Je pense par exemple au cas de Justine Triet, qui elle, donc la bataille de Solferino, qui elle a vraiment sorti de longs métrages en salle régulièrement. Et puis évidemment, on peut parler plus proche du monde de l'art, du cas de Clément Cogitor, qui me semble-t-il est vraiment un cinéaste, mais qui est aussi pétri de références picturales et qui est vraiment nourri par la peinture. Il y a évidemment le cas de peintres à proprement parler, qui sont fascinés par l'iconographie du cinéma. Je pense par exemple à Pierre Ceinturier, qu'on a vu chez Georges-Philippe Valois à plusieurs reprises, mais là c'est encore un autre sujet. Cela nous conduit à un autre point évoqué précédemment aussi, qui est cette présence de la figuration aujourd'hui dans la peinture, dans cette jeune peinture, mais de la figuration dans un sens un peu différent d'autrefois, puisque c'est une figuration qui ne s'oppose pas, qui ne s'oppose plus à l'abstraction. On peut parler évidemment, enfin la jeune scène américaine me semble tout à fait emblématique à cet égard. On peut penser par exemple à des artistes comme Joe Bradley qui passent absolument sans aucun problème de la peinture abstraite à la peinture figurative. Mais au fond, est-ce vraiment quelque chose de nouveau? Je n'en suis pas sûre. Si on regarde un tableau de Fragonard, il y a des zones qui sont tout à fait abstraites là aussi. Et peut-être que cet aspect-là n'est pas si nouveau. Finalement, on a l'impression aujourd'hui que dans la jeune création, il y a une situation dans laquelle, comme le disait Isabelle au début,
la peinture n'est pas un genre très populaire puisqu'on est dans l'ère du post-médium, mais en même temps, on a aussi l'impression à Londres, parfois ailleurs, que tout le monde a envie d'être peintre et qu'il y a aussi un très grand nombre d'artistes qui acharnément, qui désespérément s'obstinent à vouloir tout d'un coup se mettre à la peinture, parfois avec des résultats catastrophiques d'ailleurs, mais que finalement la peinture conserve ce pouvoir d'attraction et puis qu'il y a réellement des peintres. De toute façon, cette manière de faire, cet exercice auquel je viens de me livrer, le panorama est une manière de faire qui est un peu hors d'âge, justement à cause de ce monde dans lequel nous nous trouvons, ce monde du post-médium, où il semblerait que ce soit plutôt des individualités, des artistes qui dominent, plutôt que de nous trouver dans un monde dominé par des mouvements et des ismes, même lorsqu'on tente de les thématiser. Alors, il reste cette question, là encore, qu'on a commencé très largement à aborder, cette éternelle question de la singularité de la peinture par rapport aux autres médias de l'art. Plusieurs réponses. Évidemment, on est souvent tenté d'affirmer cette singularité, alors peut-être que son antériorité peut venir à l'esprit assez souvent, celle de son humanité particulière depuis l'époque de la grotte Chauvet. On peut dire aussi que c'est dans la peinture que se sont jouées toutes les grandes batailles de la modernité. Là aussi, ça va dans le sens d'une forme de singularité. On peut dire que la peinture, pour la faire comme pour la regarder, il faut du temps. Et puis, il y a évidemment, pardon encore pour cette généralité, mais c'est quand même une réalité, la sensualité de la peinture qu'elle procure au regardeur, mais aussi l'engagement du corps de l'artiste qu'elle nécessite, que ce soit un travail monumental ou un travail de miniature. C'est donc peut-être pour toutes ces raisons et pour encore bien d'autres que la peinture, on la traite souvent séparément des autres arts. Et d'ailleurs, c'est un sujet passionnant qui peut occuper des nuits entières de conversation, mais rassurez-vous, ça ne durera pas toute la nuit. Peut-être pourtant faudrait-il se raisonner et éviter de traiter la peinture séparément des autres médiums aujourd'hui. C'est au fond, en quelque sorte, ce qui est fait dans l'accrochage de la collection ici même, même si la manière dont les choses se présentent est bien plus complexe, évidemment. C'est évidemment cette approche très extensive de la peinture, parce que non, ça n'est pas complètement satisfaisant de traiter la peinture séparément. Comme tous les autres arts, la peinture est en évolution permanente. Beaucoup d'artistes font de la peinture dans l'espace, évidemment, font des objets. L'accrochage en est un témoignage constant, que ce soit chez Spalletti, que ce soit dans les mouvements des floats de Robert Brier, etc. La peinture, c'est finalement une manière de réfléchir sur l'image en général. Le travail de Ming à cet égard aussi est passionnant. C'est un art qui se nourrit du monde. Et au fond, cette singularité, même si elle existe, conserve, j'ai le sentiment, encore toute sa part de mystère et ne cesse de résister à sa propre définition, quelles qu'en soient les raisons. Finalement, je me disais que traiter la peinture à part, c'est peut-être essentiellement une position politique. Alors, c'est pour choisir une autre orientation que cette position politique que finalement, pour parler du sujet qui nous occupe, peindre aujourd'hui, j'ai décidé, quelle que soit la présence du visiteur et du regardeur devant des œuvres, de prendre le titre d'Isabelle Grave au pied de la lettre. Je vous ai apporté simplement 6 œuvres que j'aime. Voilà, on peut passer à la première image. Ce sont des artistes qui ont tous exposé à Paris, mais qui n'appartiennent pas tous à cette scène française, bien loin de là. Vous voyez ici un tableau de Henry Taylor, qui a une 60aine d'années, un artiste américain. L'œuvre s'appelle « I think it's time to pray ». Ce sont des personnes de son entourage qu'il peint dans la banlieue de Los Angeles avec une extrême intensité, une extrême humanité.
portant avec lui l'héritage de Harlem Renaissance. Il a travaillé pendant 10 ans dans un hôpital psychiatrique avant de se retirer et de se consacrer pleinement à la peinture. C'est un artiste qu'on avait pu voir dans une toute petite galerie Cardenas-Bélanger vers 2004 à Paris, rue Quincampoix, à une époque où peu de gens s'intéressaient à lui, comme c'est le cas aujourd'hui. La deuxième œuvre que je vous ai apportée, c'est Etel Adnan, que vous connaissez bien, je n'en doute pas. Ce paysage sans titre, en fait, mais qui est une image du monde Tamalpais, dans la Californie où elle a vécu. Je l'ai choisi pour le rapport à la mémoire et aux souvenirs que ce tableau porte en lui, puisque Etel Adnan a quitté la Californie il y a bien longtemps et qu'elle continue sans relâche à peindre ces paysages et cette vibration de la lumière. Je l'ai apporté aussi pour le rapport que cette peinture entretient avec la littérature, avec la poésie qu'Etel Adnan écrit, et avec sa vibration et cette synergie entre les arts. Inutile de vous le dire, en tout cas, elle habite à Paris depuis 60 ans. Le tableau suivant est un tableau de Tim Eitel, qui est aussi installé à Paris depuis une dizaine d'années, qui est un peintre allemand, une quarantaine d'années. Ici, c'est une vue de la maison de l'architecte, d'une des maisons de l'architecte mexicain Luis Barragán. Je vous parlais tout à l'heure d'une présence de l'histoire de l'art extrêmement forte chez certains peintres. Parfois, il peint des personnages vus dans le métro, des vues de la fenêtre de son atelier, où l'on voit des paysages ancestraux, où l'on voit des moines du XVIIe siècle. Il est représenté par la Galerie Pace, mais aussi par la Galerie Jousse à Paris. Avec l'image suivante, on change de génération. C'est Madeleine Roger-Lacan, qui a 25 ans, et qui dont le travail est tout à fait symptomatique de cette déconstruction de la peinture dont on a parlé à plusieurs reprises déjà, de l'utilisation du volume de la toile, croyez-moi sur parole, de l'utilisation ici de ces traces de rouge à lèvres qui sont faites en creux à même la surface du mur. Elle joue très souvent du volume de la toile aussi. Et puis, il y a dans son travail une forme d'humour et de légèreté qui, d'ailleurs, quand on regarde bien ce tableau, n'est pas dépourvu de profondeur, évidemment. D'humour et de légèreté qui peut-être va assez bien avec cet esprit de Paris qui n'est pas totalement étranger à celui du XVIIIe siècle. Elle est sortie de l'école des Beaux-Arts il y a tout juste, à peine un an. L'œuvre suivante, c'est une œuvre d'une jeune artiste américaine du Midwest, Patricia Tribe, qui, elle, est symptomatique de ces peintures qui frôlent toujours l'abstraction sans jamais y tomber complètement, puisqu'on reconnaît dans ces tableaux des morceaux d'objets, un morceau de caméra, parfois une horloge, parfois une cafetière. C'est une artiste qui est très imprégnée par le travail des mosaïques de Ravenne, puisque vous voyez ces formes qui se frôlent les unes les autres un peu comme des ombres, qui sont toujours séparées par des sortes d'interstices. Il y a une grande élégance dans son travail. Elle travaille un peu comme une calligraphe avec une très grande rapidité en une séance. C'est une sorte de méditation. Et puis ce qui est important aussi, c'est qu'elle travaille par série avec des infimes variations du trait et de la couleur dans ses toiles. Elle était exposée au prix Jean-François Pratt l'année dernière qui récompense de jeunes peintres. Et puis, dernière image, je voulais vous montrer, alors là de manière un peu paradoxale, un tableau de Jean Clarac, qui est aussi un jeune artiste sorti des Beaux-Arts il y a quelques années à peine. Même si ce n'est pas la seule manière de qualifier son travail, on peut dire qu'il travaille la miniature. Ce tableau est très grand par rapport aux autres de ces tableaux, qui font quelques centimètres de large en général. Il mêle des citations extrêmement précises de la peinture ancienne. Donc ici, il y a des zones qui sont inspirées de tableaux de Patinir et d'un autre peintre neveu de Patinir qui s'appelle Érymète de Blesse et qui propose dans son tableau une vision du monde divine. Jean Clarac nous proposant ici une vision du monde vue depuis Internet, puisqu'il mêle à ses citations, il faut vraiment voir ses œuvres de près, des images aussi
trouvée sur Internet, d'architecture moderniste. Il y a ici une citation du premier ensemble détruit, d'immeubles modernistes détruits près de Chicago, qui marque dans l'histoire de l'architecture la fin de la modernité. Vous avez un cireur de chaussures photographié par Daguerre, et je ne vais pas détailler l'ensemble de ces citations, elles sont nombreuses. Il y a aussi deux personnages, deux garçons, dont la rencontre sur Internet dans une ville d'Australie a donné son titre au tableau, Grinders Hookup. Ce mélange des genres et son infinie précision donne à ce travail une contemporanéité qui me semble tout à fait passionnante. Mais finalement, toutes ces projections, toutes ces images ne sont que des illusions. La seule chose importante pour la peinture, c'est de la regarder. Et peindre aujourd'hui, peut-être qu'il faut simplement aller regarder les œuvres de Ellsworth Kelly qui nous entourent, le rideau qui est derrière nous, les panneaux colorés qui sont autour de nous, et puis aller voir les accrochages et l'exposition du Courtauld. Merci. On a brassé plein de sujets, et puis d'ici une dizaine de minutes, on va devoir quitter la salle. Donc finalement, peut-être une ou deux questions, mais je voulais juste vous poser une question qui peut-être ferait le lien entre vous trois. C'était la question, alors il y a plein de questions de l'auteur, de la distance, du savoir-faire, etc. Mais la question que Isabelle a en quelque sorte réduit, enfin résumé la peinture qu'elle appelle the vitalistique, ou qui serait un peu la vitalité ou le fantasme qu'on pourrait avoir d'avoir la vitalité ou la vie de l'artiste dans la toile. Et ce qu'Annabelle dit en nous parlant de cette très jeune artiste, cette très jeune scène, pardon, qui est voilà, en pleine effervescence. Et la peinture de Ming, qui est une peinture extrêmement physique, incarnée. Souvent, on voit dans des vidéos où c'est presque un combat dans la toile. Est-ce que finalement, ce serait un thème... Si, on les a vus. On les a même bien vus. Voilà. Est-ce que, peut-être pour clore, parce qu'on n'aura pas le temps malheureusement de faire un débat, mais est-ce que finalement ça pourrait être un élément ou c'est juste une projection ? Est-ce que Yann, pour vous, le rapport, est-ce que le rapport physique, vous parlez, Annaëlle, vous parliez aussi du plaisir, est-ce que par rapport physique à la toile est quelque chose d'essentiel ou de... Donc, évidemment que le rapport avec le grand format et la toile, c'est toujours une côté proportion de l'atelier. C'est l'atelier qui l'influence qu'un artiste. C'est-à-dire que quand on a un grand atelier, on est obligé de faire du très grand format. Par exemple, et moi je peux donner un exemple, c'est l'atelier du Giacometti. 23 mètres carrés entre le 23 et 25. C'est en ce moment-là, Giacometti, il a inventé l'homme debout, mais très fin. Voilà, si c'est Botero, il fait une sculpture, il ne peut plus sortir de la porte. Voilà, ça veut dire que l'atelier de l'artiste, l'artiste qui imagine comment, qu'est-ce qu'il peut faire. Tout est atelier qui crée les conditions que l'artiste qui est obligé d'imaginer. Voilà, que si c'est à l'époque, si c'est Giacometti, il fait un grand atelier, je ne pense pas, il fait ce travail-là. Yeah, I'll switch to English for a second. Sorry, because this is too much love of painting for me here. Il y a trop d'amour pour la peinture dans cette pièce, si vous me le permettez, je préfère m'exprimer en anglais. Pour revenir à votre question de tout à l'heure, cette notion selon laquelle les artistes eux-mêmes, cela va de Francis Bacon à Chenin Chambai, nombre d'artistes ont parlé de ce qui se passe lorsqu'ils travaillent, ils sont dans l'atelier, ils ont parlé de leur ressenti vis-à-vis de la peinture et ils le ressentent comme un processus
dans lequel ils ne font qu'exécuter les ordres du tableau lui-même. Ils sont aux ordres du tableau. Et effectivement, c'est un mythe selon lequel le tableau se dicte lui-même au peintre et guide la main du peintre, mais il y a également une fonction d'expérience. Pourquoi est-ce que ce mythe fonctionne si bien? C'est parce qu'il se fonde sur une expérience réelle. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. On ne peut pas tout simplement faire fi de tout cela. Ça n'est pas une, on ne peut pas rejeter cela comme une simple fantaisie ou un simple fantasme, car il y a quand même un substrat matériel. Il y a un ressenti, une sensation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément croire à ce mythe, mais cela signifie qu'il nous revient d'analyser et de décoder ce mythe, car c'est un trope. Et c'est cela que je vous soumettrai. Et dernier point, je vous écoutais, vous exprimais, et je me demandais, mais est-ce qu'on est revenu à cette notion restrictive, moderniste de la peinture, où c'est en fait une image plate couchée sur la toile, ou alors est-ce qu'on se met d'accord sur une notion plus élargie de la peinture? Je pense qu'on trouve cette notion-là dans l'accrochage d'aujourd'hui. Et je pense que c'est là quelque chose de très convaincant. C'est un petit peu un hommage. Il y a un tableau figuratif, certes, mais si on avait le temps, on irait plus dans les détails. Mais la question de savoir, quand vous parlez de peinture, quand vous voulez parler de tableau, à quoi faites-vous référence? Vous nous avez montré des acryliques sur toile. Est-ce qu'on revient à cette notion pré-post-médium de la peinture? Les tropes, la rhétorique de la peinture voyage et s'invite dans d'autres arts comme le cinéma. Prenez Godard, par exemple. Il y a des films, des œuvres de cinéma qui sont de véritables tableaux en mouvement. S'agissant des cinéastes et des autres artistes, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre idée, cette notion de trope vitaliste. Je trouve ça fascinant, mais est-ce que vous l'appliqueriez à la sculpture? Ah, ça, c'est intéressant. Mais je sais qu'on n'a pas le temps, donc je vais faire très court. Bien entendu, on pourrait commencer par dire... On pourrait commencer par se poser la question de savoir si ce sculpteur, bon, généralement ce sont des hommes, est-ce qu'il est vraiment en contact avec son œuvre, disons avant l'apparition du minimalisme, avant qu'il y ait production en masse. Mais qu'est-ce que cela veut dire s'agissant de la suggestion vitaliste? Pour moi, je parle véritablement de suggestion. Ça n'est pas que l'œuvre est vivante, mais il y a suggestion d'une apparence du vivant. Et bien entendu, une sculpture peut créer des fantasmes ou des fantaisies vitalistes. Il y a un potentiel vitaliste, mais contrairement à la peinture, contrairement à un tableau, la sculpture n'a pas cette longue histoire et ce prestige intellectuel. Prenez le traité de Léonard. C'est très intéressant la façon dont il défend le peintre par opposition au sculpteur. Il argue du fait que le peintre, c'est un être plus raffiné du point de vue intellectuel. Il décrit le peintre, sa façon de s'asseoir à l'atelier. C'est un travail propre, il écoute de la musique classique par opposition au sculpteur, qui est tout dégueulasse, parce qu'il travaille de ses mains. Et donc, Léonard argue du fait que le sculpteur est il y a un aspect plus modes et travaux, on va dire, par opposition au peintre. Et tout cet historique continue d'influencer notre appréciation de la peinture. Je ne suis pas sûre que ce soit judicieux. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne chose à faire. J'essaie juste de comprendre le pourquoi du comment. Peut-être à moins que vous vouliez poser... Enfin, on est un peu court en temps, donc à moins qu'il y ait une... Allez-y. Oui. Par rapport au thème de peindre aujourd'hui, j'ai une question qui s'adresse à M. Mou. Quel conseil vous donneriez à un jeune
pense que on peut tout faire. On peut tout faire. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de tabous. Voilà, fait quelque chose, ça vous plaît. Je pense que tout est possible. Tout est possible. Il faut d'abord croire. Si vous croyez, les autres, quelques années après, il va faire croire. Par exemple, et la peinture de Ankarawa, il commence à faire la peinture, il a dit, si je écris que des lettres, j'ai besoin de 10 ans pour convaincre aux gens. Voilà, que si on fait une peinture, on va convaincre aux gens, les gens, ils ne croient pas. Mais si vous-même, vous êtes peintre, et moi, je travaille pendant 10 ans dans un restaurant chinois. Mais je n'ai pas travaillé à Montmartre, je n'ai pas travaillé devant le Tour Eiffel, je travaille dans un restaurant. Comme ça, la tête est très claire. Et si on peut imaginer, si je fais le portrait dans la rue, que je fais le portrait pour moi, c'est impossible. Voilà, donc il faut croire. Voilà. Voilà. Vous travaillez pendant 10 ans, mais sans arrêt. C'est pas une journée après deux jours que vous reposez. Hein. Voilà, il faut tous les jours travailler pendant 10 ans. Un jour ou l'autre, si vous êtes bon, les gens qui vont vous découvrir. Parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est avec toutes les images qui circulent, voilà, c'est difficile de trouver un Van Gogh aujourd'hui. Merci. Bonne soirée. Excusez-moi, oui. Ouais, ce serait une question pour Peiming, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pensez sincèrement que la taille de l'atelier conditionne le travail de l'artiste? Si on a un tout petit atelier, on peut faire le petit format, faisant 300, 500 petits formats, ça peut vous sauver. Vous, aujourd'hui, vous faites des grandes toiles? Non, je fais le petit aussi maintenant. Vous faites des petites? Ouais, voilà, voilà. Mais si votre atelier, vous avez dit que Giacometti, s'il avait eu un plus grand atelier, il n'aurait pas fait la même chose. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je pense qu'il aurait fait la même chose. Je ne pense il pas. Il l'aurait adapté à la taille de l'atelier. Ah ouais, ouais, peut-être il fait autre chose. On ne doit pas penser sa création et son expression sincère de la vie et artistique par rapport à la taille de son atelier. Ça s'adapte ensuite. Mais non, je pense que c'est le condition de l'atelier qui peut influencer l'artiste qui adopte. C'est la condition. Voilà, quand on voit la porte de sortie entre les rues tout étroites, voilà, donc il imagine, voilà, que c'est le génie, voilà, qui sont arrivés à ça. Ouais, mais que si il casse la porte, est-ce qu'il a de l'argent pour faire une porte encore? Mais non, c'est un truc majeur, parce que... Si, si, mais que c'est... Ouais. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Okay. Je vous propose, si vous voulez continuer, après on peut... Voilà. Merci beaucoup.